Non, ça a l'air d'aller. Bon, très bien, très bien. Très bien, je suis très contente de voir que tout va bien. C'est nickel. Bon, alors, du coup, maintenant, on peut continuer. Donc, du coup, on s'était arrêté ici la dernière fois et on devait grimper jusqu'à la tour. Donc, enfin, jusqu'à la tour, jusqu'au prochain objectif, pardon. Et comme vous avez pu voir, forcément, on a récupéré deux, trois choses la dernière fois, mais j'ai pas tout récupéré. Hein. Encore une fois, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a des missions qui sont encore disponibles, des docks à récupérer, des caches de monnaie. Il y a vraiment énormément de choses. C'est vraiment une zone très très grande hein, que moi je fais pas non plus. Voilà, parce que c'est pas le but. Mais une fois que les, enfin si vous voulez, encore une fois, hein, une fois que l'aventure sera terminée, on pourra aller faire les tombeaux, faire un épisode exprès pour les missions secondaires ou ce genre de choses si ça vous tente. D'accord? Allez, c'est parti les amis. Donc, on s'attendait ici. Alors c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas regardé l'épisode de Baba Yaga, je vous invite fortement juste à les regarder les dernières minutes du Let's Play parce qu'il y avait une cinéma, enfin pas une cinématique, c'est pas vrai, mais comment dire, une narration, voilà, qui s'est déclenchée quand on est arrivé dans le complexe ici, voilà, pour comprendre un petit peu ce qui se passe et puis surtout, voilà, connaître un petit peu ben, les différentes choses qui a été dites quoi. Voilà. Par contre, pourquoi est-ce que... Ah, mais j'ai pas vu. Oh pardon. J'avais pas vu. Ok, il l'a remis. Très bien. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas du tout fait attention là par contre. Là c'est. Voilà. Allez. Parce que je comprenais pas que il montait pas là. J'étais là, mais c'est quoi ce délire? Bah oui, Anisha, tu vois bien que c'est pas possible. Ok, donc il y a un tombeau facultatif par ici aussi. Il n'aura pas fallu 2 jours en Sibérie pour que ça arrive. J'ai passé 2 ans en Afghanistan. Et 1 an en Indonésie et rien. Mais après à peine 1 jour ici sur la glace, et voilà que je descends ma toute première cible. J'ai regardé le regard de cet homme se voiler, alors qu'il me suppliait de faire quelque chose. Aucune idée de ce qu'il disait, je suis pas russe. J'ai attendu à ses côtés tout en l'observant. Il était là. Puis la seconde suivante, plus personne. Juste un tas de chair. Je vomis dans la neige au beau milieu du sang du gamin. Il n'est plus qu'un tas de viande et moi, je suis en vie. Constantin ne cesse de répéter que nous sommes ici pour une raison précise. Que nous remplissons une mission divine. C'est intéressant de Je commence connaître à l'effet comprendre ce qu'il veut psychologique, dire. hein. Est-ce que vous êtes dans le noir? Ou c'est ma tablette qui a bugué? C'est ma tablette qui a bugué. Je suis très contente de le savoir. Pardon, excusez-moi. Hop là, parce que oui, du coup, le retour aujourd'hui ne se fait pas avec mon ordinateur comme j'ai l'habitude de le faire, mais là, plutôt avec ma tablette. Par contre, tu peux prendre l'échelle. Merci, Lara. L'installation. Négatif. Même si on en avait une, la révolte a causé de gros dégâts structurels. Ça va pas être de la tarte de monter là-haut. Le froid et la nature ont repris leurs droits. Alors c'est là que vous étiez conversé. Ouais. Le premier contact a eu lieu dans un des puits de mine. Ils ont réaffecté tous les hommes à l'excavation. Ok. Une semaine, les gars se sont révoltés. Ils ont fini par en avoir marre, c'est ça? T'as vu comme c'est glauque ici? Y a pas de mystère. Trouvons ces manifestes et rejoignons les autres. Ok, on s'y met tout de suite. On se fait attaquer! Tuez tout ce qui bouge, action! Ah, il est toujours en vie? Contact! Allez. J'ai cru que... T'es où? Occupez-la! Je sais pas où il est. Hein. Ok. On va faire essayer de faire des têtes. Parce que moi, j'aime bien faire des têtes par ici. Ah, non.
Dommage, on n'a pas réussi. Celui-là, on l'a pas réussi. Non, c'est bon. Je sais pas, ça... Ça me semble un peu bizarre, tout ça. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Je me méfie un petit peu, parce que des fois, on sait jamais. Voilà, j'essaie de récupérer un max de choses, parce que quand même, mine de rien, on se rend compte que c'est quand même très très important. Comment on fait pour passer par là, les gars? Ah, ok, ok, attendez, stop. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut passer? Oui, c'est ça. On peut passer par là, c'est parfait. Ok, c'est nickel. Non, moi, c'est surtout parce que je trouve... Ah ben non, attendez. On était en train de faire du crochetage, pas du tout. En fait, c'est surtout parce que moi, je veux récolter un max de choses pour pouvoir monter nos armes, pour pouvoir monter absolument toute notre... notre panoplie le plus rapidement possible, hein, ça aide. Et pour cela, malheureusement, il faut fouiller un peu... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça ouvre une porte. Ah, est-ce que ce serait un tombeau? Bon, puisqu'on est dessus, c'est autant le faire maintenant. Encore. On dirait de la pêche blinde. Ça devait être une mine d'uranium. La pêche blinde? Bon, on va faire celui-ci, puisque alors, du coup, on est, ils est devant. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont découvert là-dessous? Ils ont... On est... Ah, d'accord. On est dessus, ok, d'accord. On va la faire parce qu'en fait, on est juste là, on est juste devant. Moi, je trouve ça un peu dommage que... On se le fasse pas. Ok. Parce que je sens que celui-là, je vais encore l'oublier si, si on refait un... Alors oui, bien sûr, bien au long de l'aventure, on va en faire quelques-uns, voilà, mais le plus gros, on va pas le faire... on va pas les faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que je pense que ça va un peu vous saouler à un moment donné, je pense, non? Alors, attendez, est-ce que c'est B pour aller plus rapidement? Oui, c'est ça. Allez. Voilà. Alors, il est où le cache? On avait vu un cache, là? Vous... On est d'accord? Voilà. Voilà, comme ça. Et puis, plus on va regarder aussi nos objets, si on peut dire, et plus on va avoir des points de compétences aussi. Hein. Là, on vient d'en débloquer un. Et le but, c'est d'avoir pratiquement, je dirais... toutes les compétences débloquées à la fin de la game, ce serait mieux, disons. Je dis pas que ça... Mais comment on fait? Et comment on fait pour enflammer tout ça? Non. Ça a l'air inflammable, mais on peut rien faire, nous. Ah, quoique, si, en fait. Ah 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 ah! Bien sûr, en fait. Voilà. J'avais pas vu qu'il y avait les bouteilles, pardon. Elle, elle a pas peur hein, de faire péter plein de trucs et tout. Hein. Moi, j'aurais un peu peur à sa place. Hein. Je serais pas sereine. Hein. Parce qu'on sait pas par quel miracle ça tient, mais ça tient en tout cas. Ah oui, d'accord.
On repart dans les tressons failles de la grotte. Tu parles d'une entrée. Ah ouais, moi je parle pas d'une entrée, effectivement. Ça c'est pour revenir en arrière, je suis sûre. Ok, bon. Alors, où est-ce qu'on est? Encore des artefacts. Ils ont dû découvrir un vieux passage. Il faut que je voie ça. Alors de toute manière, même si c'est pas grand chose, moi je dis toujours, ça nous apporte des XP. Hein. Voilà, ça nous fait grimper quand même de quelques points. C'est pas nul. On va pas dire qu'on peut négliger, mais vaut mieux pas, disons. Ok, où sommes-nous? Ah, ok. Ah, attendez, alors là. Okay, super. Cette flasque appartenait à un soldat de l'armée rouge. Je ne reconnais pas cet insigne. Elle est encore à moitié pleine. J'en aurais peut-être besoin avant la fin. C'est quoi ces skills là, comme ça? Alors. Ok. Est-ce que je peux... Ok. Ok, ok. Il faudrait que je... C'est pas possible, ça. Alors, où est-ce que je dois jeter? Ah, peut-être par-dessus ça. Alors, attendez. Hop. Est-ce que ça va faire brûler ça? Oh, j'aurais bien vu. Ah, peut-être que ça va... Alors, attendez. Non. Bah si, en fait, c'est justement ça le truc. C'est quoi le délire? Attendez. Ah voilà. Et voilà. Bon, on va faire tout péter en face de nous, hein, ça c'est sûr. Hein. Allez, c'est parti. Oh, wow. Quoi qu'ils aient découvert, ça doit se trouver là. Ok, l'artefact est là. L'artefact, pardon, est là. Oh, il y a de l'eau partout, par contre. Hein. Waouh. Ok, ok. Ouh, ça va être temps d'axe, là. Je le sens. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des choses ici. Quelqu'un cachait des outils de mineurs. Nous ne pouvons plus attendre que nos frères à l'extérieur de la mine se soulèvent. Les soviétiques ont découvert une chose plus précieuse que le minerai toxique. Ah, super. Ils ont découvert l'histoire de nos ancêtres et ont pillé leur tombe. C'est leur dernier crime. Au début, nous pensions que les anciens gardiens se réveilleraient pour punir nos bourreaux. Mais je sais désormais que c'est à travers nous que la vengeance de Dieu s'exercera. Nous rassemblons nos forces, réunissant des pioches et des haches en secret. Bientôt, eh ben, ceux une dont rébellion. Nous avons encore la force se révolteront pour enterrer l'oppresseur ici même, avant qu'il ne détruise notre passé et notre présent. Ok, on voit des gens qui... Des armes de fortune. Ils sont vraiment fatigués de tout ça. Hein. Ouais, mais je crois que de toute manière, on n'a pas le choix de passer à travers. Ok. Donc là, on a le feu qui a toujours à côté d'un tombeau, hein, si jamais... Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ça, pour pouvoir... Voilà, vitesse de rechargement, c'est le plus important. Et puis, le point compétence, on le fera plus tard. Alors, donc, du coup, on va s'accrocher là. On a fait tomber une cagette, c'est super, merci. Hein. Ouais, on peut pas. Voilà,
comme ça on peut récupérer des choses, on n'est pas trop lourd. Ok, alors ça c'est des minerais. Ok. Ces chariots, ils pourraient peut-être bloquer l'eau. Oui, ça y est, l'eau ne passe plus. Bon sang, je dois trouver un moyen de la bloquer pour de bon. Ah! Alors, le moyen n'était pas le bon moyen. Attendez. Je dois pouvoir libérer un autre chariot. Ok, donc je dois grimper. Ok, c'est parti. Hop. Je dois pouvoir libérer un autre chariot. Par contre, je sais pas comment. Est-ce qu'on peut... Ah ouais. Alors, et je l'attache avec quoi? Parce que le but de l'histoire là, c'est que je la retienne, on est d'accord. Par contre, Lara, tu le fais exprès. Le but de l'histoire là, c'est que je la retienne en fait. Merci. C'est de retenir le chariot qui va pouvoir. Une autre fresque. Ok, super, on est russe niveau 2. Ok. À quoi est-ce qu'on peut la retenir? Ah! Ok, il est où le chariot maintenant? Ah, ok. J'ai compris. Je crois comprendre. Je ne suis pas sûre de ce que j'avance, d'accord, les amis? Ce n'est pas dit que... On va réussir. Là, il faut... Voilà. Ok. Celui-là, on le laisse tomber, d'accord? Comme chariot, c'est pas grave. Il s'en ira. Hop là. On aura fait tomber un de plus. Ma foi, c'est le jeu de la vie. Hein. J'avais pas vu ça derrière moi. Un mécanisme pour déclencher une bombe. C'est la même fabrication. Il a dû mettre un temps fou à rassembler tous les éléments. Ouais, je pense que ça devait être sympa, effectivement. Allez, saute par là. Et donc, du coup, hop. Mais il me semble que ce sera un peu loin, peut-être. Hein. C'est loin. On a fait une merdouillasse. Ah ok. Est-ce qu'on y arrive là? Ok. Voilà. Allez. Voilà. Vas-y. Merci. Oh non. Ok. Ah là. Ok. Normalement, on arrive. Ok. Je croyais pas qu'on pouvait viser depuis là. Bon, on aura perdu genre même pas 2 minutes, c'est pas grave, hein. Vous allez pas m'en vouloir pour ça, j'espère. Hop, les. Voilà. Ça, normalement, ça devrait tenir. Ça a marché. Essayons d'embraser tout ça. Voilà. Là, on reprend. Ensuite, je refais un petit saut. Et là, je balance mon invention. Pas besoin de Thierry l'ermite. Ok, j'ai compris. Voyons voir. Est-ce qu'il y a quelque chose? On dirait que les mineurs ont fini par se venger. Ah ouais, super. Il y en a qui sont morts quand même, hein, dans leur histoire. Hein. Ah, lui, on peut pas prendre. Ok, c'est juste un objet de décor. Très bien. Il y en a un qui est toujours vivant, là, et qui me... Je sais pas comment on passe là-bas, mais pourquoi pas.
bord. On dirait qu'ils l'ont traîné jusqu'ici. Alors, on a trouvé ça. C'est parfait, ça va pouvoir nous libérer une compétence. C'est très bien. C'est un codex ancien. Une réflexion philosophique sur les vertus de la conscience. Excusez-moi pour les chiens, je ferme juste mon micro. Alors, on m'a posé déjà la question de savoir si on faisait tous les tombeaux, ça débloquait absolument tous les autres, toutes les compétences. Moi, je ne crois pas. Sinon, ce serait trop facile, on n'aurait qu'à faire les tombeaux pour des compétences. C'est dans un sale état, entre les fouilles amateurs et l'effondrement. Mais ça doit être lié au prophète. C'est grâce à ce puits qu'ils ont dû découvrir tout ça. Ça doit être aussi la sortie. Enfin bref, moi je crois que c'est ça. Je ne suis pas sûre. En tout cas, je pourrais pas avancer ce que je dis. Hein. Moi je pense pas, sinon ce serait beaucoup trop simple. Pourquoi pas ? Je dis pas que ça c'est pas possible, mais pourquoi pas ? Mais ça ne fait pas toutes les compétences, ça c'est sûr. Il nous manque quand même quelques-unes. Hein. Y a pas, mis à part ça, c'est vrai qu'il y a plus de tombeaux que le reste des jeux. Ça c'est vrai qu'ils en ont mis pas mal, mais je crois pas que ça... Ouais, ça fait tout. Allez, hop, on tire. J'ai vu qu'il y avait un casier de l'autre côté, mais je voulais pas revenir en arrière. Vous savez quoi, les amis Je me suis dit que c'était pas si grave. Par contre, on va se retrouver avec un pied coincé une fois ou... Ok. Parfait. On retombe ici, hop, à la nage. Voilà. Alors si je dis pas de bêtises, il y a quand même plus de tombeaux. Je crois qu'il y en a deux par ici, dans cette zone. Si je dis pas de bêtises, celui-ci, ça doit être le premier, et l'autre, il doit être juste un petit peu après, en contrebas. Mais encore une fois, je ne suis plus sûre. Voilà. Hop. C'est parti. Hop. Et on grimpe. On regagne notre terre promise. Ah, il y a un truc ici. Ah, mais on est arrivé là. Attendez. Est-ce qu'on aura besoin de ça? Non, toujours pas. Ok. Là, ça va assez. Hop là. Voilà. Voilà. Donc, vous avez vu, hein, ça peut quand même débunker pour même pas mal de choses. Purée, j'ai rien là. J'ai pas de bouteille. Là. Les objets recouverts d'un tissu blanc et de pétrole peuvent être incendiés. Oui, bon, ça je le savais, mais... Ah, faut que je retourne de l'autre côté, punaise, faut que je retourne prendre les bouteilles là. Ah. Alors. Donc, c'est celle-là qui m'intéresse. Et celle de devant. Ce sont effectivement les deux. Très sympa. C'est vrai que si je les enflamme pas, on va pas aller loin. Hein. Je m'excuse, là j'avoue, on n'était pas du tout. Y a pas une caisse quelque part? Je viens de bousiller mes deux bouteilles sans... comme une conne ou bien? Je viens de bousiller mes deux bouteilles comme une imbécile, mais comme une imbécile heureuse. Alors attendez, je vais voir si de l'autre côté il y en a une. Ah, j'avais pas vu qu'on avait loupé une armoire! Voilà! Là par contre, on peut pas prendre... Ok, le truc de pétrole, ça sert à rien. Ok, j'ai retrouvé une bouteille, les amis. Mmh.
Oh bah j'avais pas vu qu'il y avait une... Voilà, alors je vais juste regarder là. Ah, des objets. Encore une fois, je voulais des voir si c'était possible. Militaire soviétique, modèle standard. C'est vraiment pour voir si on peut améliorer nos langues. Ravdonikis. Parce que vraiment, c'est le niveau 3 qui est le plus atteint. Le mot condamné est inscrit au dos de la plaque. Sympa ça. On adore. Très bien vu. Hop là. Attendez. Tac. Là, on peut ouvrir. Moi j'aime bien fouiller en fait de base. Et dans le complexe, je pense qu'on peut bien fouiller de partout. Parce que c'est dans ce genre de truc qu'on peut trouver un max d'objets dont on a besoin, etc. Hop là. Y a rien qu'on peut utiliser pour faire exploser. Peut-être le truc qu'on a vu là. Attendez. Maybe. On va aller voir ça. Peut-être. Je ne sais pas. Je suis un peu bête, hein. Excusez-moi, je suis un peu bête. Mais c'est quoi ça? Ok, j'ai pas compris pourquoi ça s'est... Là, j'avoue, je n'ai pas compris. Ok. Il y a plein de choses. Ah, on doit continuer par là, mais... Moi, je vais continuer de fouiller un petit peu le... par ici. C'est le plus haut titre honorifique décerné pour acte de bravoure. C'était peut-être l'un des officiers du goulag. Certainement. La boîte est très jolie, hein, d'ailleurs. On va pas se mytho. Ah, des champignons. Ok. Alors, on a des flèches. On a des flèches, merci. Une autre plaque soviétique. Voilà, on a bientôt le niveau 3 qui va se déclencher, les amis. Ce serait incroyable. Ah, pardon, je dois maintenir. C'est pas... Tout d'un coup, c'est des serrures. Des fois, c'est pas des serrures. On sait pas. Voilà. Alors, on va juste voir en bas. Ah, c'est pour descendre. Ok. Ok, ok, ok. C'est vraiment pour descendre alors. Voilà. S'il y a une bouteille comme ça, faut que on soit prêt. Parce que de toute manière, on est obligé de descendre. C'est pourquoi la bouteille? Pour faire quoi? Pour se les toucher? Ah, on est. Ah oui! On est vraiment descendu en bas, quoi. Ouais, bon. Lâche ça. Merci. Ok, ok, ok. Bon, bah, on reprend. Meuf, qu'est-ce que tu fais? Merci. Allez, on reprend notre ascension. Excusez-moi, hein, je ne pensais pas qu'on allait atterrir tout en bas. Très bien. Bah, écoutez, voilà, ça aura été... Ça aura eu le mérite, d'être clair. Hein? C'est pas grave, on perd juste un petit peu de temps, mais c'est pas non plus très très grave. Au moins, on a récupéré un petit peu de matériaux. Voilà, je me dis, est-ce que c'est vraiment pionnière, hein? Vous avez vu, un étage et puis c'est bon. Alors... Contre moi, c'est cette truc qui me plaît pas. Par contre, on était parti par là. Ok, là, on va prendre un petit peu. Là, j'ai vu qu'il y avait une cagette. Ça, ici. Ça, c'est pourquoi? Hein, c'est pour raccorder, pour aller voir le coffre là-bas, d'accord. Enfin, c'est pas un coffre, mais c'est... comment t'appelles ça?
Une boîte de mun. Voilà. Ok. Tu veux qu'on se pète the gueule, madame, c'est ça? Vraiment, c'est pas très sympa. Moi, j'ai pas l'intention de mourir aujourd'hui. Vraiment, je te le dis, je sais que notre vie, c'est une aventure, mais moi, je suis pas prête pour l'aventure comme ça, en fait. Ok, bah toi, apparemment, tu as qu'une envie, c'est de mourir. Hein. On a fait... Oh. J'avais pas dit qu'il fallait... Là on avait un temps escompté, là on est vraiment dans la merde. Voilà. Ok. Bon, je regarde un petit peu voir s'il y a des choses. Là il y a du bois, une matière première. C'est parfait. On peut refaire peut-être des flèches. Non, on est plein. Très bien. Là on a du matériau. Je me méfie toujours de cette petite zone là. Des fois ils mettent des trucs, mais genre vite fait, vous savez, c'est pas non plus extrême. Alors, tac, 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 tac. J'ai trouvé plein d'artefacts qui correspondent aux inscriptions des soviétiques. C'est là qu'ils sont tombés sur les ruines. Des traces des deux fugitifs. Je sais pas, je vois pas vraiment. Mais j'ai perdu le contact avec l'équipe de repos qui est en bas. Bien sûr. Je vais prévenir les équipes de devant. Excusez-moi pour mon chien, hein, c'est parce qu'on n'est plus beaucoup à la maison, donc du coup il y a tous les autres chiens, ils aboient comme des saucissons sur pattes. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Ah. Il y a l'échelle qui montait là, mais je crois que nous on devait aller par là. Attendez, moi on va voir si l'échelle nous amène quelque chose, enfin si on peut prendre quelque chose. Ah non, c'est juste que tous les chemins mènent à Rome, en fait. Allez. Ça nous mène où? Ah oui, d'accord. Sur le toit, carrément. Excusez-moi, juste 2 minutes. J'arrive tout de suite. Je reviens parce qu'il y a juste les chiens qui sont en train d'aboyer comme pas de j'arrive. Hein.
Pardon, me revoilà. Bon. Alors, on va traverser là. De toute manière, ils m'attendent, hein, c'est ça? Parce qu'il faut que de m'attendre ici. Hop là. Je trouve aussi de faire comme ça, ça aide en fait à aller plus vite avec les armes, en fait, aux améliorations d'armes. Bon, voilà, santé, ils nous attendent tous, voilà, parce qu'ils sont tous... Bien reçu. On me tire dessus. Allez. Protégez-moi. Par contre, madame. Je prends ma position. Allez. Prends ça, s'il te plaît. Tu peux prendre ça? Vas-y, allez. À la finlandienne, on marche pour un parent. Tidam, tidi, 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 tidam, tidi. Allez, prends ça. Merci, tu peux faire ça. Ok, ils sont ouf. Allez. Bah ouais, moi aussi je veux que ça pète. Allez. 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 Bon, pas beaucoup, hein. Vraiment, on n'a pas fait grand chose, hein. Allez, il est là en haut. Allez. Allez. Nickel. Petite tête. Allez, petite tête. C'est ça aussi qui me plaît le plus, c'est vraiment genre qu'on puisse faire... J'aime bien prendre mon temps parce que en vrai... Bon, là, il n'y a pas beaucoup d'ennemis. Et puis, en vrai, je préfère. Je me dis que c'est toujours utile. Ok, qu'est-ce que... Ok, on peut passer par différentes manières, c'est ça? Soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, c'est ça? Hop là! Alors, attendez juste 2 minutes, de nouveau. Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Ah, ok, voilà. J'aime prendre mon temps, parce que comme ça, on peut avoir des XP supplémentaires. Je trouve que ça sert toujours. L'armée rouge a fini par découvrir le temple de la grâce du prophète. Ils ont arrêté leurs autres opérations et ont commencé à piller les trésors de nos ancêtres. Nous sommes prêts. Avec l'aide des autres prisonniers, nous avons réussi à rassembler des armes et des explosifs. Après avoir détourné l'attention des gardes, nous profiterons du chaos pour nous révolter. L'armée rouge a été sans pitié envers nous. Et nous ferons de même. Nous tuerons ces envahisseurs jusqu'au dernier. Alors seulement, notre secret sera en sécurité. Donc le peuple a... Je crois qu'il s'appelle Jacob, hein. Hop là. Ok. À chaque fois je me trompe. Alors, on va prendre des trucs. Voilà. Là, normalement, j'ai pas besoin parce que je suis full. Ouais, là, il faut que je grimpe ici. Est-ce qu'il y avait des choses ici? Je crois pas. Hein. Non, non, là, c'était vraiment. Histoire de... Voilà. Ça, c'est pourquoi? C'est pour redescendre. Bah, nous, on redescend pas. Nous, on monte. Ok, super.
suis dans une mer de noir. Sûreté un peu, sauvegarder des fichiers pour mon usage perso, quand je suis tombé sur un fil de discussion. Me concernant. Et le pire, c'est que je crois que j'étais censé le trouver. Le chef de la sécurité sait que je diffuse certaines infos. Depuis le début, probablement. Ah bah super. Pour le moment, il se contente de m'observer. Ok, il vous regarde ce qui fuite, l'ennui, c'est ça. C'est que je n'ai rien prévu. Je vais crever parce que je suis curieux et stupide. Je suis même plus sûr que ce canal est sécurisé. Ils t'ont peut-être déjà repéré. Je deviens parano. Mais les Trinitaires, ils plaisantent pas. Ils sont partout. Plus j'en apprends, plus je réalise à quel point j'ai déconné. Alors je vais te faire plaisir. T'avais raison. J'espère que je... Ah merde, j'avais pas vu. Pardon. Bon, voilà, c'est quelqu'un de nouveau qui avoue qu'il va être dans la merde, hein. Qu'il va être dans la sauce. Pourquoi est-ce que... Bah forcément, je n'ai pas de Wutai. Ça fait chier. Ah, ça m'énerve, ça. Oui. Non, c'était pas l'oiseau que je voulais, merci. C'était de me balancer, moi. Je fais des choses vraiment folles dans la vie. Là ! Vous êtes là ! Je suis coincé là ! Il faut vous... Jacob ! Merde. Ouais, c'est ça, c'est Jacob. J'allais juste... Sûrement l'artefact qu'on est venu chercher. Ça m'étonnerait. Ce serait bien trop facile. Fais voir le rapport d'activité. Ils ont bien dû mentionner ce coffre. Selon le manifeste, les soviétiques auraient placé les artefacts qui ont le plus de valeur dans ce coffre. Va falloir le forcer. Qui a le chalumeau? Je m'en occupe. Bon, écoutez tous. Ne touchez à rien. Faites l'inventaire de tous les artefacts que vous trouvez. Tous ces trucs sortent de la mine? Ouais. D'après les derniers rapports, ils ont stoppé l'extraction dès qu'ils sont tombés sur ce site. La révolte a commencé juste après, dans la confusion. C'est très ancien. Les inscriptions. Allez, vous voulez encore un peu? Allez, juste parce que j'ai un doute. Voilà, comme ça tout le monde est mort, on est sûr. On va prendre ça. On va reprendre ça. J'essaye de vraiment, genre, tout bien regarder la zone, parce que je trouve que c'est important. Minerai, s'il vous plaît, merci. Ok. Alors. Ok, il y a encore un cadavre ici. Parfait. Non, là, on est full. On est toujours full. Le truc, c'est que moi, je suis tout le temps à l'arme. À l'arc, pardon, pas à l'arme. Donc du coup... Ah. Allez. Elle arrive. Tenez vos positions. Allez. J'avance, couvre-moi. Allez, ils veulent jouer comme ça, moi aussi, hein. Allez, il y en a encore un. Allez, une petite tête. Est-ce qu'il y a besoin d'une petite tête? Ah, sérieux? Oh, je m'attendais à plus. Oh, vas-y, je les ai tous dégommés en une fraction de seconde, mais non. Mais non. Butez là, maintenant! Cet endroit va partir en fumée! Occupez-la! Allez. Je sais pas où il est. Ah là. Hop. Sors d'ici ou on va finir ensemble. Il me faut un tir de couverture. Allez. Je te protège. Là-bas. Hop. Allez, t'es protégé, meuf. Je dois mettre le feu à cette barricade si je veux passer. Pardon, j'avais pas vu. Ah, c'est une barricade là. Alors attendez, moi je fais juste le.
Ah, je peux plus rien prendre, je suis trop full. J'ai pas tout compris, quelle barricade elle parle, la meuf. Bon, je suis, hein, mais je suis pas grand chose en fait. Je sais pas de quelle barricade elle parle là, la meuf. Ça me fait rire. Ok. Oh, ça c'était pas prévu par contre. J'avance, couvrez-moi. Ok. Prends ça. Ok. Oh putain. Visuel. Tu es là. Ah non, là par contre on va avoir un petit souci là par contre. Allez hop. Il est où? Il est là. Allez. Oh, vas-y. Maintenant. Ah, c'est bien ça. Merci. C'est pas mal, hein. Moi, ça me va, hein. Allez. Par contre, le B, le C. Tuer. Allez. Moi, je vous vois une esquive totale. Allez. Ah, ça j'aime bien. Ok. Munition, moi j'aime bien. Ok. Ok, y a pas de quoi de besoin de faire des flèches là. T'es en train de me dire que tout est ok, meuf. Ok, bon, c'était pas si compliqué, mais bon, c'était... C'est juste les esquives là, j'ai pas tout capté. J'étais en train de les chercher, j'étais là, mais. Pardon? Non, non, comprendo. Alors, hop. Ah, c'est vrai. Allez. Ok. Allez. Si on continue, ça va devenir une habitude. Ah oui, je crois aussi. Bonjour. Merci. Jacob. Ravi que vous soyez là. C'est votre raccourci? Oui. Mais on ne sera pas les bienvenus. Vous n'êtes pas obligé de venir. Ça suffira pas à me décourager. Je veux toujours avoir des réponses. Alors ne perdons pas de temps. Oh là là. Allez, on m'a dégommé un point de compétence, c'est parfait. Ce passage va nous permettre de traverser la montagne. Mon peuple l'utilisait avant que les soviétiques n'arrivent et se mettent à creuser. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont déterré? De quoi éveiller leur curiosité? Ils se sont servis de machines et d'explosifs pour creuser plus loin. Ils ont fait beaucoup de dégâts. La plupart des anciens passages se sont effondrés. Mais on ne risque plus rien. Enfin, ouais, moi je... C'est pas très rassurant, ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Les Trinitaires ont dû trouver le vieil équipement minier. Ils vont essayer de finir ce que les Soviétiques ont commencé. Et y a pas d'autre chemin pour passer. J'ai bien peur que non. Plus maintenant. C'est... très compliqué. Qu'est-ce qui se passe? On est à la bourre. Chut. Attends! Les fils sont tout corrodés, mais je peux faire une dérivation. J'y suis presque. Ils vont finir par tout faire s'effondrer. Les Soviétiques ont détruit la plupart des anciens passages. Ces machines n'ont pas été conçues. Jacob! Allez trouver Sophia! Dites-lui que les Trinitaires sont là! Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on doit courir en plus! Oh, les explosions! Allez, Oh. Ah, oh, mais c'est le jeu qui veut, hein. On peut pas se soigner, hein. Ok. D'accord, j'ai compris. Oh lolo. Super.
Oh, nous voici du coup dans la grotte profonde, Jacob, c'est ça? Jacob, vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Oh, mais Jacob, il est pas là. J'aime pas ça. Attends! Je regarde! Ok, ok! Je peux mettre cette console en marche! On ressortira pas par où on est arrivé. Faut réparer ce pont de charge. Je sais, mais... Je vais tenter un truc pour voir. Oh, vas-y, vas-y, il faut qu'il reste en... Le pont de charge est coincé. Les rails sont complètement rouillés. Bon, c'était quoi? Il n'y a pas une bouteille ou un truc? Wesh! Il y a une flèche ici. Allez, une tête. C'est pas normal. Viens regarder. Entendu. Quelqu'un nous surveille. T'as entendu ça? Allez. On a un mort ici. Il est tout seul. Stop! Allez. Voyons cette console de plus près. Ouais, c'est juste que ça me fait rire de faire à tout à l'arc, en mode furtif. En plus, on n'a rien demandé. Ah bon, j'aurais pu tellement faire plus, mais bon. Alors. Oh. Hop, c'est parfait. Ok, merci. J'ai vu qu'il y avait un truc qui brillait dans ce coin-là, non? Alors, il n'y avait pas ça, mais il y avait pas un... Où est-ce que c'est moi? Ah mais oui, vous avez vu? Il y a une G-Lock là. Mais je sais pas où elle est. Ah, je sais pas, pourtant ça n'a pas marqué X, mais je me suis dit, vas-y, j'appuie dans la zone où elle était. Ok, très bien pour moi. Qu'est-ce que c'est? Ça devrait servir. Un couteau de combat. Nickel. C'est parfait. On a du coup un couteau de combat. On va juste prendre du... Non, toujours pas de soins. Parfait. Bon allez, on enlève ça. Voilà. Comme ça. Lui, on l'a... Est-ce que on doit attacher quoi? Est-ce qu'il y avait un... Ah non, il n'y avait rien à tirer sur celui-là. Ok. Il y a un moment donné, il y a tout qui va s'effondrer, c'est ça? C'est genre... Oh, merde. Je fais quoi maintenant? Bah, ça c'est la question. Mais ça a libéré un passage là-bas de l'autre côté, je crois, si j'ai bien vu. Mais par contre, ça va tenir quoi ici? Attendez, je vais juste aller voir parce que je vois rien. Je dois aller couper les cordes, c'est ça? Ok. 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 J'ai compris. En fait, c'est ça qui va permettre que... Voilà. Et puis qu'on puisse aller s'accrocher à cette paroi. Nickel. C'est juste que à un moment donné, je ne voyais plus rien. J'étais là genre, je suis aveuglée les amis. Je ne vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, hop. Hop, et là, on fait tourner. Voilà. Et on s'agrippe. Parfait. Je vous prie de prendre connaissance de ces missives au plus vite. Nous n'avons reçu aucune directive depuis la découverte des ruines. Nous continuons à étudier les artefacts et les parchemins récupérés sur le site. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il semblerait que nous ayons découvert les ruines de la légendaire cité de Kitej. Il est également fait mention d'une sorte de figure messianique. Si mon interprétation des textes est juste,
Il s'agissait d'un prophète ayant fui Byzance au cours du Xe siècle. D'après ses écrits, il transportait un objet d'une grande valeur. Pour l'instant, j'ai suspendu les opérations d'extraction. Je compte bien découvrir la vérité sur ce mystérieux prophète. Ouais, c'est bien mystérieux, hein, tout ça. Alors, toujours pas... Est-ce que c'est une partie de la cité perdue ? En tout cas, ça y est. Voilà. Nous disposons désormais d'un lourd équipement dans la grotte principale, et nous projetons d'accéder à une sorte de temple, même si nous devons pour cela enfoncer ces portes antiques. Nous avons découvert et étiqueté des centaines d'artefacts. Mais deux équipes de surveillance ont disparu dans les mines. J'ai interrogé moi-même les prisonniers natifs. Ils disent ne rien savoir de ce qui est arrivé à ces gardes. Nous avons eu beau les punir sévèrement, je crains qu'ils ne fomentent une révolte. Ok. Donc on découvre un petit peu ce qui s'est passé, hein, que ce soit les soviétiques, les trinitaires, même aussi... C'était juste. Bah oui, c'était juste. Bien sûr que c'était juste. Oh waouh, qu'est-ce que c'est que ça ? Cette fresque, oh, fresque. Dépeint le prophète. Prêchant à Constantinople. Ok, on est arrivé crack numéro niveau 4. On s'est vachement amélioré dans nos langues. Hein, Encore séparés. J'espère que Jacob est toujours en vie. Je ne sais pas vraiment où je suis. C'est l'histoire de ma vie depuis quelque temps. Je me bats pour survivre, et pourtant... je suis pleine d'espoir. Je suis entourée de ruines incroyables. Ça doit faire partie de la cité perdue du prophète. Mais où commence la légende? La source divine est-elle ici? Je pense qu'elle est cachée quelque part. Jacob nous dit pas tout, hein. Évidemment. C'est un personnage très mystérieux et malheureusement, on est de nouveau... de nouveau séparés. Après une chute, esquive élimination... Qu'est-ce qu'on a ici déjà? Dernier, le temps de visite et activité bandée est beaucoup plus long. Ok, sniper, un indicateur de tir de tac à craint quand vous visez correctement la tête de l'ennemi. De fabrication naturelle que vous récupérez. Survivaliste augmente la quantité de ressources de fabrication. Moi, je pense qu'il faut augmenter les ressources naturelles, je pense. Mais je suis pas sûre. Attendez, je vais quand même regarder. Plein de ressources. Tuer ou mis en tête pour des objets, transportation, fabriqués pour gagner de l'XP. Ok, on va mettre ça parce qu'en vrai, on est tout le temps avec des ressources, nous. Et puis c'est. Là, il faut voir aussi, en fait, comment est votre manière de jouer. Moi, je sais que je suis beaucoup plus furtive, beaucoup plus tranquille. Je suis pas non plus une. Pas une sauvageonne, je vais pas dire ça, mais fonce dedans, quoi. Je suis vraiment plus sympa, plus cool. Extraordinaire. Oh, regardez-moi ça. C'est beau. En tout cas, Anna avait raison à propos de la cité perdue. La source doit être cachée ici. Je dirais que ce mur a été construit à la base d'un plan B. Je sens de l'air qui vient de l'autre côté. Je vais voir si je peux ouvrir un passage. On a peut-être une autre sortie ici. Ils sont beaucoup trop ici, je comprends pas. Lui, il est tout seul, mais là, on est d'accord, c'est une zone de combat, hein. Ça va être une zone de combat par ici. Alors... Camarade, il est impératif que vous répondiez à mes missives. Nous avons un besoin urgent de matériel et de renfort. Une révolte est en cours, et les prisonniers contrôlent désormais le site des fouilles et les structures avoisinantes. En réponse, j'ai ordonné l'exécution massive de prisonniers issus de la population native. S'ils ont ne serait-ce qu'un peu de bon sens, ces rebelles déposeront les armes et se rendront pour sauver leurs frères.
Ok. Ok, je fais quand même attention parce qu'on sait jamais. Parce qu'on sait jamais. Par contre, si tu loupes à chaque fois le fait que je suis en train de te demander de tous les tuer furtivement, meuf, on va pas s'entendre. Hein. Toujours rien à la radio ? Non. Tellement de roches et de glace entre eux et nous. Avec un peu de chance, ils comprendront que tous ces bruits de parasites, c'est nous qui essayons de communiquer. Bon, on est livrés à nous-mêmes. Raison de plus pour trouver un moyen de sortir d'ici. Suivez tout ce qui bouge. Action. Je vais voir ce que c'est. Levez la tête! Attention! Elle est cernée! Oh là là, vas-y meuf, sois un tout petit peu plus rapide. Oh, je ne suis pas avec la bonne arme. Je pensais être avec la bonne arme, mais pas du tout. Tu peux prendre ça plutôt de recharger, merci. Ok, ok, ok. Bon, là c'était pas du tout voulu. Cette scène-là, je m'excuse, c'était vraiment pas voulu. Là, c'était un peu nul, j'avoue. C'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Je voulais tout faire avec l'arc, je me retrouve avec mon... Alors, outils d'amélioration, les outils déverrouillés, les améliorés des niveaux supérieurs pour toutes les armes. Améliorer vos armes dans un feu de camp. Ok, merci. C'est trop gentil, on n'était pas au courant par ici. Alors... Ok, super important. Il ne fait plus aucun doute que notre réseau de communication a été saboté. Et puis aussi d'améliorer les trucs, en fait, ça vous permet de libérer plus de... Mais je continuerai à les envoyer car c'est mon devoir. Voilà, de choses comme ça, d'écrits. Ils ont attaqué sur plusieurs fronts, juste après la série d'exécutions de leurs frères, censés les mater. Ils sont bien plus nombreux que nous ne l'imaginions. Il est évident qu'ils viennent de derrière la montagne... et qu'ils préparent soigneusement leur révolte depuis des années. Nous n'avons plus eau, ni électricité, et l'hiver approche. Ceux d'entre nous qui sont encore en vie ne vont pas tarder à partir. Nous disposons d'un train de marchandises, et nous allons essayer d'emporter un maximum d'archives et d'artefacts. Mmh. Bon, du coup, qu'est-ce que... On doit grimper ça. Waouh, c'est super beau, hein. Mais là, on va être la victime de tout le monde, je le sens. Je suis pas la première à essayer de passer cette porte. Ah, je dois essayer de les péter, les portes. Super. Moi, j'adore faire ça, vraiment. C'est mon truc fave, ici. Alors, je sais pas où on doit... Ah, là, meuf, calme-toi. Calme-toi, j'avais pas vu tout de suite. Allez, accroche-toi à la pierre. Allez. Peut-être qu'en poussant ce chariot. Ça, c'est sûr qu'en poussant ce chariot, on va. Par contre, il y a poussé, meuf. Vas-y, fais pas semblant. Merci. Peut-être qu'en poussant ce chariot. Et toi. Alors, je veux juste voir s'il y a des trucs à régler. Le camion est attaché à cette porte. Il est assez lourd pour forcer l'ouverture. Non, mais. Mais... Merci. Allez. Aussi simple que ça, on grimpe, on enlève et on coupe, c'est ça? Voilà, ça va faire tomber et la porte elle va se péter. Attention les débris. Mais elle veut toujours mourir, j'ai l'impression. C'est un peu... Ça n'a aucun sens. Alors, ça a libéré un passage, tant mieux pour nous. On va pas se mentir. Ok. Y'a rien ici. Est-ce que... Ouh, où sommes-nous?
Ok. Il y a des bouteilles. Non, peut-être que j'ai rien compris. Alors. Ok, là on descend. Semblerait-il. On est plein au niveau des petits campignons. Et là, on va se retrouver. Oh, vas-y, ils sont où? Ah, ils sont là. Tire de suppression ici, vite! Quoi, par contre? La tête, s'il vous plaît! Ah, tu fais quoi, meuf? La tête! Merci. Allez, moi je veux la tête! Une tête! Allez, monte ta tête, monte ta tête! Allez! Moi j'aime bien hein, quand on fait ça, hein, en vrai. Hein. Allez! Elle est où? Ouais. Il y en a une là. La tête. Allez. Tête. Ça me fait de l'XP, c'est gratuit. Moi j'aime bien. Hein. Je sais, je suis un peu énervante avec mes trucs, mais en fait, c'est juste que j'aime trop tenter de faire à l'arc. Je trouve que c'est un peu toute l'essence, finalement, de Tomb Raider. Hein, c'est ça, c'est de faire à l'arc. Alors, des fois, ça m'arrive de faire aux autres armes, bien évidemment, mais je trouve ça plus marrant quand c'est fait à l'arc, j'avoue. Ah, j'avais pas vu le monolithe, par contre. Je comprends mieux. Si je suis ces directions... J'ai pas compris par contre de quelle langue il s'agissait. Ok. Alors. Oh non merde. Là par contre je me suis loupée. Pardon, j'avais pas vu que... En fait j'ai cru qu'il fallait que je saute. Mais en fait j'avais pas vu qu'il y avait les escaliers. On va pas recommencer la bataille j'espère. Ah merci. Parce que... merci. Allez. Toujours pas les champignons. Une garde d'épée en or incrustée de pierres précieuses. Elle appartenait à un noble byzantin. Oh, la lame est brisée à la base. Est-ce que c'est arrivé pendant un combat? Alors ça... Nul ne le saura. J'aurais bien voulu qu'il me donne des sous, pas des... Ouh, là je me suis fait peur toute seule les gars. Ouh. Ok. Toujours pas. Allez. Et hop. Voilà, le petit sac. Moi, j'aime bien tout explorer. Moi, je dis, ça fait toujours un petit peu des choses. Puis là, vous voyez, on était en train de parler de sous. Et ben, j'en ai. Ma foi, j'en ai, hein. Tant mieux. Ok. Alors, ici... Hop, du soin, parce que je sais que je fais pas très attention en ce moment. À celui qui trouvera ce message. Coucou, Ace, comment vas-tu? Et toute trace de ce lieu disparaîtra avec moi. Notre fuite était vouée à l'échec depuis le début. Nous sommes montés dans le train, et nous nous sommes préparés au long voyage. Mais nous avons découvert qu'après quelques kilomètres, les rails que nous avions construits sur tant de cadavres s'arrêtait purement et simplement. Ah super. Depuis des mois, plus de rails. Les natifs ont démonté ces rails, isolant cet endroit en prévision de leur attaque. Ah, et bon, c'est malin. Tout comme leurs précieuses ruines, je serai bientôt enseveli sous la neige. Et
oublié de tous. C'est fort sympatoche entre le stream de lundi et celui-là, vraiment. Ok. Ah, ah, ici. J'étais là, mais où est-ce que je dois grimper? Je comprends pas. C'était pourtant ici. Je bouge en position. Oh, mais vas-y, son chiant. Ah. Allez, vas-y. Bon, vas-y. Je me saoule un peu. Allez, 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 allez. Prends ça, merci. Allez. Hop. Allez. Allez. Moi, j'aime bien... terminé. Ah, ils sont de tous les côtés, eux. C'est insupportable. Wesh. Oh non, il y a encore... ça veut dire qu'ils sont encore là. Je vais me faire zigouiller, je sais pas par qui, mais... mais c'est sûr que il y en a un. Il est où, l'autre l'autre Payway, là? J'ai dégommé. Peut-être qu'en fait c'était bien calmé. Ah non. Il est où? Allez. Allez. Tranquille. Voilà. Bah alors, ils sont où? Parce que alors là, je les vois pas du tout. Cocorico et Cocorico. Lâche. Moi, ça. Ok. Ils sont où? Si quelqu'un les voit, il faut me les dire. On va aller les chercher. Ah bah là. Allez. Allez, on se fait un petit corps à corps. Ouais. Ouais. Ah, t'es mort à cause de ta propre bombe, c'est con, hein. Eh ben, moi, je suis pas morte. Voilà. C'est con. Ah ouais, d'accord. Ça ressemble un peu... Ok, ça sert à quoi? À rien du tout. Très bien. Bah, ça va bien, merci, hein. Tranquillou. Bien reposé. Ouais, hein, on le voyait pas. Moi, j'étais là, genre, mais... Lara, s'il te plaît, ne fais pas des dingueries comme ça. Il y a un moment donné, quand je te demande de sauter, faut sauter, ma vieille. Allez. Lara, qu'est-ce que tu nous fais? Ok. Ok. Alors, où est-ce que je dois passer? Certainement par là. Excusez-moi, ça va aboyer. Je coupe juste mon micro pour les chiens, d'accord? Quelqu'un qui rentre. C'était une mort inutile, j'ai cru que je pouvais m'accrocher. Désolée. Si je peux faire s'effondrer cette grue, ça devrait me permettre d'enfoncer cette porte.
Je dois pouvoir l'amener dans l'eau en utilisant ce treuil à cordes. Bien, ça devrait marcher. Je dois pouvoir l'amener dans l'eau en utilisant ce treuil à cordes. Je dois pouvoir l'amener dans l'eau en utilisant ce treuil à cordes. Alors, excusez-moi, hein, j'essaie toujours de... Ok. Ok, ça voilà. On va mourir. Bah bien sûr. Bah bien sûr. Et oui, tout à fait, Laura. Nous, on fait tout le temps ça de... Qu'est-ce que tu fais de ta journée? Bah écoute, moi je cours. Je vis ma vie tous les jours. Pour de l'archéologie, vraiment, ça n'a aucun sens. Ok. On a de la chance qu'il n'y a aucune pierre qui vienne nous écrabouiller les jambes. Hein. Genre, c'est tout à fait normal, ça, ce qui vient de se passer. Cette statue doit représenter le prophète immortel. Ah, nous sommes genre dans un lieu de culte. Et ici, cela représente l'exode de tout son peuple depuis les déserts de la Syrie. Ils se sont installés dans une vallée isolée et ont bâti une grande et belle cité. Qui t'ai-je ? Pour protéger la cité ainsi que son peuple. Le prophète a levé toute une armée de guerriers. Mais qu'est-ce que ça peut bien indiquer? Cet artefact-là, ce n'est pas la source divine. C'est quelque chose d'autre, mais quoi? Et ces guerriers forgèrent pour lui un atlas. Pour que le prophète pût toujours situer dans sa cité les secrets qu'elle renferme. Un plan de la ville. Il pourrait sûrement me mener à la source divine. Eh bon. Si les gens n'avaient pas fait ça, personne ne l'aurait su. Hein. Ok. Super. Magnifique. Je sais pas, la tête de ce prophète vous fait pas penser à quelqu'un? Un peu quand même. Regardez. Non? Bon, très bien. Bon, on en découvre un petit peu plus sur cette cité divine et tout ce qu'elle renferme et tutti quanti, hein, c'est intéressant. Est-ce qu'on doit passer par là? Attendez, je veux juste voir. On doit passer par quelle porte? Ok, y a rien ici. Il n'y a rien à lire, rien à regarder, il n'y a pas des fresques qu'on pourrait éventuellement déchiffrer. Ouais, bon. C'est un miracle que cet endroit tienne encore debout. Après le passage des Trinitaires ? Ouais, tu m'étonnes. Malgré la dégradation, le talent artistique est éblouissant. On est d'accord. Il n'y a vraiment rien ici. Hein. Ouais, c'est tout du linéaire. Ah, super! J'adore. Allez. Tu peux aller en... Mais... Lara? Lara? Allez. Lara? Mais vas-y, putain. Qu'est-ce qu'elle est conne, celle-là, quand elle s'y met? Ok. On est juste... Ouais, ouais, on doit aller là. Ok. Et là... Mmh.
Voilà. Ok, nous sommes du coup de nouveau dehors. Waouh, la vallée géométrique. Ok, donc on a une nouvelle zone là qui s'est ouverte. Oh waouh. Vous avez vu? Elle est immense cette zone en fait. Elle est immense cette zone. Immense. Sommes-nous arrivés, croyez-vous, vers le peuple de Jacob? Ah non, il n'y a rien à... Non. Elle va nous tuer. Mais je vous le dis. Par contre, c'est immense. Hein. Waouh, regardez-moi ces montagnes, comment c'est beau! Vous savez à quoi ça me fait penser ici? La civilisation, ça me fait penser à Frères des Ours. Vous savez, là, les ours, ils se mettent... genre, ils attendent le poisson et tout. Et là, c'est le rendez-vous du saumon. Me dites pas que vous connaissez pas Frères des Ours. Hein. Moi, ça me fait grave penser à ça. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me le fait. Allez. Bah, c'est parti. Allez! Bien sûr, c'était évident. Pas un pas de plus. Du calme. Du calme. Tu sais que je ne suis pas une trinitaire. Et pourquoi devrait-on te croire? Je me suis échappée avec l'un des vôtres. Un homme nommé Jacob. Et où est-ce qu'il est? On était ensemble, mais on a été séparés dans les mines. Elle l'a tué! Non. Jacob ne ferait jamais confiance à une étrangère. Écoutez, il faut me croire, je ne suis pas votre ennemi. Je t'avais prévenu, tu aurais dû m'écouter. Sophia! Arrête! Père. Ah bah salut! Père! Ah bah super! Sublimissime! Vous êtes parenté du coup. Perdu. Content de vous voir ici. N'en veuillez pas à Sophia, elle est... prudente. Je le serai tout autant à sa place. Surtout en voyant ce qui se passe. Qu'est-ce que tu as découvert? Les Trinitaires arrivent. Qu'est-ce que t'as fait de ton après-midi, Ace? Nous devons nous préparer. Et elle? C'est une alliée. Je vous demande de ne lui faire aucun mal. Toutes ces ruines, la cité perdue du prophète est tout près. Venez, nous n'avons plus beaucoup de temps. Super. Préparez la réserve d'armes et sécurisez les remparts. Allez-y, maintenant. Ils ne vont pas tarder. Genre, vous voulez dire avec des arcs? Vous avez vu les armes? Les anciens sont vulnérables. Va, conduis-les dans les catacombes. Allumez les feux, il faut vite alerter la vallée. Waouh, époustouflant. C'est très beau, effectivement. Sophia, rassemble nos combattants et venez me rejoindre au village. On n'aura pas le choix. Il y a beaucoup à faire. Et si on avait un peu plus de temps? Plus tard. Pour l'instant, je vais voir si je peux me rendre utile. Eh ben, incroyable, les amis. Incroyable. La guerre nous attend. Hein. On sent qu'on arrive gentiment à la fin. Excusez-moi, mais mes chiens, vous vous calmez un petit peu, monsieur, dame, s'il vous plaît. Va réparer le générateur. Il faut qu'on puisse transmettre le message aux autres colonies, qu'elles sachent ce qui me menace. Je vais faire de mon mieux. Vous deux, il nous faut des yeux braqués sur la vallée. Placez-vous sur les falaises et faites le guet. Prévenez-moi à l'instant où vous verrez leurs hélicoptères. Ok, c'est compris. Si on voit quoi que ce soit, on fera sonner la corne. Dieu vous protège. Ok. Super. Donc on est arrivé dans ce peuple qui ce vase semble vivre comme à une certaine époque. Et quelqu'un y a percé des trous et l'a rempli de terre. Il devait sûrement y faire pousser des plantes. Tour de l'acropole, quel qu'en soit le prix. On va conduire les familles dans les catacombes. Mais il faut qu'on réussisse à contenir les combats ici, de ce côté de la vallée. Oh purée, mais calme-toi.
truc mûche. Alors, bon. Du coup. Yes, on a gagné une coupe. Jacob et son peuple sont coriaces, je dois l'admettre. Mais les Trinitaires sont en chemin. Ils auraient bien besoin de mon aide. Quant à cet atlas dans la fresque, s'il s'agit vraiment d'une carte des ruines, je dois le trouver avant Anna. Si j'échoue, tous ces gens seront morts pour rien. Et je n'ai aucune envie d'avoir ça sur la conscience. Des techniques de perfection permettant d'augmenter les rayons d'aide. Fabriquer. Ok. Ici, on en est à quoi là? Nerf d'acier, le temps de stabiliser l'arme. Réaliser un coup grâce à l'arc à bout portant, augmenter votre chance de récupérer des flèches spéciales. Ok. Expert du pistolet, expert du fusil. Augmenter la quantité de ressources de fabrication. Survivre, augmenter la quantité de ressources. Tac. Moi, je pense que l'arc, comme c'est un peu notre arme de prédilection, on va prendre ça. Je pense. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? La cadence de tir, ça c'est pas mal. Allez. Bon. Bon, les amis. Là, on sent qu'on se rapproche de la fin hein, de ce jeu. C'est pas un très très grand let's play. Hein. Si vous faites comme moi à chercher tous les tombeaux et tout ça, alors oui, ça prend un peu plus de temps. Mais on va explorer cette vallée la prochaine fois. Écoutez, je vais m'arrêter là. Comme ça, on fera les choses petit à petit. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi, je l'ai trouvé très, très intéressant. Je vous fais à tous et à toutes des gros pisouilles. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!